واش بالنسبه ليك السينما ديما خصها تناقش هاد المواضيع هذا ولا السينما سي ليماج سي لا كرياسيون سي لا كرياتيفيتي سي ليماجيناسيون كي ني با نيسيسامون رولي على لي بروبليم سوسيال بيان لي جون اون جينيرال كونت ils sont dans la rue ils voient des mendiants ils voient des misères ils voient de la pauvreté et vous pensez que le cinéaste doit avoir un miroir et montrer ces choses-là pour les mettre dans le film. Moi, je ne pense pas. Exactement. J'ai mes films, il y a quand même... dans ce Maroc, évidemment, il y a les bidonvilles, il y a la pauvreté, il y a la misère. Mais en Inde, c'est pire. Et vous voyez les films hindous, c'est la joie, c'est la oui, pauvreté. Bon. On a besoin de rêver. On a besoin... Mais tout en rêvant, on peut mettre des choses de la société. Tout en montrant des choses qui sont atroces, il y a une façon de les montrer. Mm-hmm. N'y a-t-il pas une bourgeoisie au Maroc? Il n'y a pas une aristocratie? Il n'y a pas une classe qu'on peut critiquer? Mm-hmm. Mais il faut montrer ces gens-là. On ne voit pas toujours des gens, des flaques d'eau où des enfants jouent avec la boue et tout ça. Il y a aussi. Donc la réalité, c'est une chose. Mais pour relever le niveau d'un public, c'est important. Et puis ce que je diffère avec beaucoup de cinéastes actuellement, parce que moi, je veux d'abord avoir un public autour de moi, dans mon quartier, qui me comprend, qui comprend ce que je veux exprimer de ce quartier. Ensuite, si toute la ville est d'accord, si le pays accepte ces images-là, à ce moment-là, on devient universel. Il y a des jeunes maintenant qui veulent aller directement à l'universel. C'est faire des films. Le Maroc, je m'en fous, il n'y a pas de public là. Je fais un film pour l'Occident, etc. Mais je veux bien voir un film qui a réussi dans ce sens-là. Okay. Donc là, la question, je vous réponds non. Lequel? Talba Faras. Mais Talba Faras. Mais il faut distinguer entre un festival. C'est un festival artistique, les arts. Berlin, c'est un grand festival. Mais ça ne veut pas dire que vous passez à Berlin que vous avez le public allemand ou occidental. C'est tout. Il y a des curiosités. Il y a même, je dirais, dans l'Occident, une certaine vision comment ils veulent nous voir. Et ce que j'appelle un cinéma colonial qui se répercute, qui se continue encore. On veut nous voir dans une certaine pauvreté. On peut nous voir comme eux veulent nous voir. Et ce qui a fait le succès, et je n'ai pas peur des mots, qui a fait le succès de beaucoup de films, dont des festivals, parce que ça donne une vision de comment eux veulent nous voir. Mm-hmm.